Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo une journée dans la peau aux écuries. C'est une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc là on vient de prendre le petit déjeuner, on va bien aller monter à cheval juste après. Mais avant je voulais vous parler de la marque avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo. C'est la marque Anna Luisa, donc c'est une marque de bijoux new-yorkaise. Donc j'ai par exemple un collier ici, une bague et des boucles d'oreilles. C'est une marque qui est vraiment top, j'ai déjà collaboré avec eux pour un giveaway récemment sur Instagram. Je vous ai fait gagner 75$ de bons d'achat chez eux. C'est une marque qui est top, c'est des produits qui sont très très fins, très très bien finis. Enfin personnellement j'adore, c'est super joli. Là par exemple j'ai un collier avec une pierre, enfin en gros il y a 12 colliers selon les mois de naissance de l'année. Là c'est pareil avec les signes astrologiques, donc j'ai pris Capricorne, j'ai pris Janvier. J'ai également pris une bague et j'ai réussi à vous avoir un code promo de moins 10% sur le site. C'est le code Mathilde10, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous mets également toutes les références de tous les articles que je porte. Et n'oubliez pas le code promo si vous voulez acheter des petits cadeaux pour la fête des mères par exemple. Ils ont une collection spéciale pour la fête des mères. Allez voir ça et on se retrouve aux écuries. Avant de se retrouver aux écuries, on se retrouve déjà en voix off pour que je vous parle un petit peu plus des produits. Donc au niveau du packaging, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, très beau et très épuré. Et ça permet en fait d'envoyer directement le cadeau chez la personne concernée sans que vous ayez besoin de la voir, si c'est un cadeau d'anniversaire surprise par exemple, puisque le colis arrive dans cet emballage, enfin le produit arrive dans cet emballage. Et ensuite au niveau des bijoux, comme vous pouvez le voir, c'est des bijoux qui sont très fins, vraiment très bien finis, la bague, le collier et les boucles d'oreilles. Donc si vous voulez les avoir sur le site, les boucles d'oreilles sont toujours disponibles. Comme vous pouvez le voir, la collection Zodiac est toujours disponible, tout comme la collection des colliers avec les pierres semi-précieuses. Il y en a quelques-uns qui sont en rupture de stock, mais la majorité est encore disponible. Et ils viennent également de sortir des nouvelles collections, notamment des collections plus colorées si ça vous intéresse. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et on se retrouve vraiment aux écuries cette fois-ci. Ok les gars, on se retrouve, je viens de descendre de cheval, il était archi cool. Pour vous faire un petit outfit of the day, ça c'est Kramer, enfin c'est le truc que je vous ai présenté dans le hall et vous voyez il taille trop bien, genre il est trop cool, j'aurais limite pu le prendre un peu plus serré je pense. Et en bas, Picker Kingsland, voilà. Pour ceux qui me demandent dans les commentaires, je vous dis à l'avance ce que je porte. Là on va démonter son lit et ranger sa chambre parce qu'on change de lit dans sa chambre. Donc, ouais, on change de toutes les pièces, enfin non, très bien. Donc mission du jour, on démonte ça, on range ça. Compliqué. Vous voyez, Lou Eden et le bazar. Très amie. Plus tu n'es pas là. Quelle amie, il est à peu près... Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Il est 14h, on a fini de déjeuner, on va aller mettre les poneys au paddock.
Donc là je vais sortir Sligo, j'attends Lou qui n'est toujours pas prête. Lou, je t'attends. Dépêche-toi. Bref, on a fini de manger, on a fini presque de désinstaller la chambre de Lou. On va mettre les poneys au paddock. Pendant qu'ils sont au paddock, je vous fais des petites images. Et ensuite je vais aller faire des maths, faire de l'écho, faire du montage, trier mes photos et lire. Voilà. Actuellement en train de faire des photos avec Lou Eden Comange qui arrive sur son petit vélo. On se retrouve sur un vlog tout terrain, hein, visiblement. Ah, que fait-elle? Bon, en gros, les gars, on se retrouve. C'est la fin de journée, il est genre 20. Mais stop, Lou Eden! Elle est coincée dans la côte. Ah, je suis morte! Je t'avais dit de venir à cheval et pas à vélo. Je t'attends! Comment ça marche? Non, t'es pas tombée, tu parles encore. Elle crie qu'elle est morte. Bon les gars, on se retrouve en cette fin de journée. Il est à peu près 20h, j'ai plus de bras parce que ça fait 4 fois que je refais cette intro parce que je me suis pris des branches dans la tête. Et là, broute, broute un coup, broute un coup, broute un... Il y a des gens, oh non, il y a des gens. Pourquoi il y a des gens? Même en balade à cheval, ils vont me voir vlogger, ça me gêne. Bref, je disais... Ok, du coup je disais qu'on se retrouve en cette fin de journée. On vient de partir en balade avec Lou. Elle est à vélo, elle est pas encore morte. Elle doit arriver normalement, j'espère qu'elle va arriver un moment. Et on a fait plein de petites photos avec cette tenue, c'était archi cool. On a fait un peu de galop dans les prés, on a fait un peu de... Elle était vraiment morte hein. Non, c'était très très sympa. Il y aura toutes les photos disponibles sur Instagram. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Elles sortiront très prochainement et il y a des gens qui arrivent. Je vais arrêter ça. I've come to talk with you again. Il est caméra pour quoi? Ah, c'est ça, s'il vous plaît. Thank you.